fond. Je vais serrer. On se fait démonter la gueule parce qu'on joue comme des... Je sais pas ce qu'ils foutent. Je sais pas ce qu'ils ont. On est dégueulasses. Hello à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis à Newcastle pour le match Ligue des Champions, c'est parti pour le premier déplacement de la saison, Newcastle PSG, première fois que le PSG joue ici à Newcastle et pour l'occasion on s'est déplacé avec les ultras qui sont derrière moi, début de cortège, direction le stade, ça va être énorme, c'est parti. À St James Park, découverte de ce nouveau stade et franchement, je vous dis la vérité, on est archi haut. Je vais essayer de vous filmer le terrain comme je peux, mais on est tellement haut, on voit la ville, on voit l'horizon, on voit tout. Par contre, le stade, c'est un délire. Un côté couvert, un côté un peu ouvert, un peu les stades d'ailleurs à l'algérienne avec un côté ouvert. Mais ouais, ça va être une dinguerie. Pour l'instant, c'est encore vide, on s'installe, je suis en train de voir où est-ce que je vais me mettre. En tout cas, on va mettre grosse ambiance ici, on est sur un perchoir. La vue, elle est bien, je vais vous montrer. Mais c'est vrai qu'on est haut quand même. Thank you.
elle a le mental qu'il faut pour rester concentré et revenir dans cette partie. On est déjà à la 20e minute. Il faudrait vraiment qu'on égalise en première mi-temps parce que sinon ça va être très difficile ici. Dessus littéralement 36% de possession pour Newcastle et on arrive à trouver le moyen de se faire mener au score 2-0. Là faut marquer d'entrée, c'est début de la deuxième mi-temps les amis, en plus il marque de notre côté. Allez, j'espère que franchement on repart de ce match avec un 3-2 parce que là je vais péter un câble. Je vais serrer. Changement archi bizarre, hein.
parce que Ugarte, l'énergie qu'il apporte, le volume de jeu qu'il a, le nettoyage qu'il fait. Là, on voit qu'ils ont envie de, il a envie d'apporter un peu de création avec Vitinha. C'est vrai que ça manque de créativité. Et ça me fait peur, moi, de faire sortir Ugarte comme ça. Ils savent pas quoi faire avec le ballon, ils se retrouvent avec le ballon, ils savent plus quoi faire. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et Ousmane Dembélé, je suis désolé, là il est pas du tout au niveau. Allez les gars là. Il me fout le seum, Dembélé, il me fout le seum. Oui Bradley. Ça me déprime ce jeu-là, ça me déprime vraiment. Même les choix que fait Kylian, je sais pas ce qu'il a en ce moment à dribbler là. Oh, ça me fait péter les plombs, ça me fait péter les plombs, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Putain, y a pas un truc qui arrive au bon endroit. Pour 30 minutes pour des raisons de sécurité. Merci. Le retour, il va être triste. Là, vous entendez, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de chant. D'ailleurs, ça s'est arrêté au quatrième but. Parce que là, on peut le dire, on s'est fait gifler sale à St James Park. Pour la première fois du PSG à St James Park, c'est dégueulasse. Donc là, on repart sans bruit. Et en plus, moi, il faut que je monte cette vidéo, les gars, je suis dégoûté.